Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message angélique de ce jeudi 14 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, perdre du temps n'est pas forcément une perte de temps. Je répète, perdre du temps n'est pas forcément une perte de temps. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange du miracle. Alors, les miracles existent, n'est-ce pas? Les miracles existent et chacun de nous, on espère, lorsque l'on vit quelque chose de difficile, eh bien, qu'un miracle vienne à nous. Le hasard n'existe pas. Les miracles existent. La magie de la vie, les possibilités, tel un alchimiste, n'est-ce pas? Eh bien, nous possédons en nous le miracle créateur divin. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Alors, ouvre-toi totalement et avec confiance à la magie de la vie et à l'étendue de possibilités qui habitent au sein de l'univers. Abandonne-toi totalement pour accueillir ces infinis bienfaits. Comprends les possibilités illimitées et le potentiel créateur que tu possèdes à l'intérieur de ton être. Tu sais, tu es le magicien de ta vie. Ça, je vous le dis souvent, que vous êtes seul maître de votre vie. Alors, on peut traverser une douloureuse épreuve. Mais il y a un certain moment où l'univers, il dit « Stop maintenant, on va faire un petit miracle, on va lui donner du bon. » Alors, chacun, on vit des épreuves à différents degrés, n'est-ce pas ? Plus ou moins lourd. Mais il y a un certain moment où on aimerait avoir un miracle. Et le miracle se produit. Il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas, eh bien, ce n'est pas possible. Il ne viendra pas à vous. Le secret magique du miracle, eh bien, il naît de ton cœur, de ton petit cœur, de ton âme. Il n'y a absolument aucune limite à l'amour, à la beauté et à toutes les expériences que tu peux vivre et aux choses que tu peux obtenir. Alors, il est important de ne pas accepter, de n'accepter aucune limite au miracle que tu peux créer en toi et autour de toi. Tu sais déjà le fait que tu puisses faire un travail sur toi, eh bien, ça c'est un miracle. Tu as la possibilité, tu le fais, eh bien, c'est magnifique. Hein? Prends conscience, n'est-ce pas? Prends conscience aussi que l'univers est illimité. Il n'a pas une dose pour chacun. L'univers, il est illimité. Et sache aussi que tu es digne de créer, d'attirer et de recevoir, eh bien, les fruits de tes rêves les plus majestueux. Tout est possible lorsque l'on désire avoir, tout est possible, la possibilité, tout est possible. Alors c'est magnifique la magie de la vie. Il faut y croire. Je crois au miracle. Et c'est dans nos demandes
à notre Créateur, à l'univers. C'est en demandant qu'on peut recevoir. C'est en faisant en sorte de faire du bien autour de soi qu'on reçoit. Donc il est important de demander et toujours remercier, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose qui est très importante, remercier lorsqu'on demande quelque chose à notre Créateur, qu'on demande quelque chose à notre ange gardien, aux archanges. Remerciez toujours lorsque vous faites une demande. Tout miracle est à la portée de nous. C'est un beau message, n'est-ce pas, de l'ange du miracle. Et moi, personnellement, eh bien, j'espère qu'un miracle va se réaliser pour moi personnellement. Voilà. Je suis très positive. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est, hein, ce que... Voilà, c'est mon petit jardin secret. Allez, je termine avec l'affirmation positive. Je m'autorise à être toujours plus authentique. Je m'autorise à être toujours plus authentique. Je m'autorise à être toujours plus authentique. Je vous remercie, n'est-ce pas, vraiment de votre écoute. Je remercie tous les abonnés. Parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Je vous remercie pour tout l'amour que vous me donnez dans vos messages, dans messages privés, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de messages privés. Voilà, de votre bienveillance, de votre gentillesse, cet amour inconditionnel, votre empathie. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, de tout cœur, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse. À demain.